Jérôme Bettenfeld, je suis chez Engie depuis 2011 et j'occupe actuellement un poste de directeur travaux sur le chantier de la RN122 Marché Caz. Donc c'est un marché qui s'intègre dans un projet plus global qui est la déviation de Sansac de Marmiès et le contournement sud d'Aurillac. Le marché TOAC qui a réalisé les terrassements sur la partie neuve et aujourd'hui on est sur le marché Caz qui concerne les travaux de chaussée, équipement, signalisation de la section neuve et aussi une section à requalifier de 3 km qui comprend en fait le contournement d'Aurillac. Des travaux de requalification en voie nationale d'une RD 920. On l'élargit un peu, on change la structure de chaussée pour y mettre 3 épaisseurs d'enrobés. Les structures sont quasiment les mêmes entre les voies requalifiées qui sont en milieu urbain ou périurbain et puis cette section où on se trouve qui est la section neuve qui mesure 7,5 km de long pour 3 km pour les voies à requalifier. On a recyclé 40% de la couche de base en GB4 et 30% dans la couche de liaison, ce qui veut dire qu'en fait on a réutilisé donc 14 000 tonnes de matériaux issus directement de la route. Pour le côté environnemental, il est quand même intéressant de ressortir les produits bitumineux et au lieu de s'en débarrasser, de les réutiliser directement dans la route. Sur ce chantier, on a déployé la centrale mobile d'enrobé Aztec. Particulièrement sur cette opération, aujourd'hui, on a effectué une modification sur cette centrale, c'est-à-dire qu'elle tourne dorénavant au GPL, qui est un gaz extrêmement moins polluant, puisqu'il émet moins de gaz à effet de serre, moins de soufre, d'azote et de particules dans l'atmosphère. L'avantage du multimétier, c'est tout d'abord que pour le client, ça fait un interlocuteur unique. C'est des habitudes de travail ensemble et une synergie entre les différents métiers. Et c'est également un partage de certaines valeurs qui font qu'il y a une certaine unité dans le groupement et un savoir-faire ensemble.